Salut à tous, c'est Ryu et aujourd'hui on se fait un début de petite série sur Terraria avec le pro de Paint, le punk ultime, Rescape. Salut. Voilà, le pro de Paint. Donc, t'as lancé le serveur ou pas? Non, mais parce que du coup il faut que je me crée une... On va déjà commencer par créer une partie, un world. Ah oui, on prend un monde grand, large. Oui, c'est pas drôle. Voilà, j'ai appelé. C'est pas du tout ça. Alors voilà. Donc on va il est en train de se créer. Créer le perso. Ah, on vient un peu. Et là, c'est nickel. Alors, les cheveux, c'est bon. Les yeux. C'est pas compliqué. On met du rouge et on vire tout le reste. Le skin. On met tout à fond pour avoir du blanc. Voilà, un bon gros vampire comme il faut. Les vêtements, du noir, full noir. Ah mince. Alors noir, c'est 60 de partout. C'est 55, 55, 55. Ouais, moi je mets 60 de partout. Par habitude. Putain, j'ai horreur de l'épée que t'as au début. Hey, attends 2 secondes. Non mais ouais, je te jure. Ah bah c'est pas ma faute hein, tu m'as dit d'héberger. Tout de suite. Moi je t'attends maintenant. Attends, je crée mon perso. Ah, je suis bloqué. Ouais, donc on recommence tout du début, même si on a déjà des persos assez avancés. Surtout moi d'ailleurs. Ouais, surtout toi qui a des putains d'ailes. Qui est juste le stuff final sur 4 persos différents. Et les choses. Le moment le plus papillotant de la vidéo, la création du perso. Back. Mal, c'est bon. Softcore, c'est bon. Create. Internet. Putain, j'ai l'habitude de faire des doubles sauts quoi. C'est trop horrible. Bon, vous pouvez voir que j'ai déjà 2 persos. Celui-là qui est badass et celui-là qui est pas encore badass. Le mot de passe c'est YOLO. Hein. YOLO. Ouais, j'ai voulu changer quand même un peu. Voilà. Et donc là, on... T'es sérieux? Ouais. Comment ça se fait que tu peux changer de coupe de cheveux? J'ai jamais réussi à le faire ça. Quoique je suis jamais vraiment très loin dans les cheveux. Bah, tu peux. Donc, Terraria, je pense que pratiquement tout le monde sait ce que c'est. C'est du Minecraft en 2D, un peu en mode arcade. Avec des donjons, des mobs, des items, des cubes et du bois, beaucoup de bois. Et le but c'est de finir le jeu, tout simplement. Le but de la série ça va être de finir. Ça va être un peu chaud. Mais non, ça va être de finir d'abord. Ça va être possible, mais en longtemps je pense. Enfin remarque, à deux on va moins galérer que à tout seul, tu vois. Oui, en même temps c'est le principe. Donc la deuxième partie palpitante du début de vidéo, la coupe du bois. Donc, attends. Vous pouvez voir qu'il y a un petit perso qui se balade ici. C'est le guide. Non mais vas-y, pique-moi mes items. Donc le guide qui va nous permettre de savoir quels sont les crafts des items, parce qu'il y a aussi un système de craft légèrement plus facilité que celui de Minecraft. Attends 2 secondes, je reviens. Vas-y. Un petit truc à faire. Ah là là, c'est lui qui me propose de faire une vidéo et c'est lui qui se barre en premier quoi. Donc vous voyez qu'on commence avec un peu de matos en bronze, donc qui est vraiment pas terrible. Même sur les pauvres slimes qui ont que 14 PV, c'est un vrai combat. Et le jeu est vraiment pas mal pour ce que c'est, on va dire. Hop, donc on va commencer aussi à récupérer de la pierre, mais un peu plus loin, parce que je pense qu'on va s'installer là. Donc après, je vais pas vous faire toute la présentation de ce qui est
Terraria, je pense que la plupart des... d'entre vous savent ce que c'est. Donc c'est vraiment une série détente, détente nocturne là. Et complètement à la YOLO, non préparée ni rien. Les épisodes font une demi-heure comme pour du Minecraft et sortiront quand ils sortiront. Voilà. Ah merde, mets-toi dans l'équipe rouge en fait. Ah oui. Donc voilà, je présente l'inventaire, les armures, le système d'équipe. Attention. Le système de craft. Il y a un slime qui arrive. Ça fait bizarre les slimes de devoir les courir. Oh, y a de la c'est quoi ça, c'est du fer? Ah non, c'est des... non, ça c'est de la pierre, oui. Il y a du copper là-haut. On va créer la base pas trop loin du spawn quand même. Bah au niveau du spawn on a viré tous les arbres, autant profiter. Ouais. On va pas pouvoir se faire de lit maintenant hein. Yo l'open, t'es sérieux, tu t'es appelé comme ça? Ouais, je veux aucune idée de... de quoi mettre comme nom quoi, ouais. C'est... Eh ouais, ça change de 400 que t'as à la fin quoi. J'avoue. Là, si tu tombes, t'es mort quoi, c'est... Eh mais franchement, je déteste cette épée. Elle est juste immonde quoi, c'est... On peut attaquer qu'en avant et c'est vraiment pas cool quoi. Moi, je commence à faire la maison. Hop. Mais moi, je vais venir t'aider à la faire là. On va faire une table de craft déjà, okay. Sauf si t'en as déjà fait. Ok, t'en as déjà fait une. Hop. Tu commences à faire le deuxième étage. Vas-y, fais le deuxième étage. Bah oui, je vais faire le fond. J'ai pris de la caillasse pour faire le four, mais c'est bizarre, il me le propose pas. Je vais mettre la table en haut, comme ça il nous fera pas chier. Le PNJ. Donc oui, au niveau des habitations, il faut faire les murs de sur les côtés et les murs de derrière aussi pour éviter le spawn des mobs. Et c'est extrêmement cher. Hop. Ah merde, j'ai pas de... Ah si, j'ai de la gelée. Pour faire des torches. Ouais. Ça fait 3 attaques pour un slime quoi. Ce qui est bien c'est que le temps que je coupe du bois j'ai largement le temps de vérifier le chrono quoi. Merde, voilà. Tu t'es fait un marteau déjà ou pas? Yep. Ok, j'en ai m'en fait un vite fait. De toute façon ça prend 8 de bois donc super quoi. Tu peux virer ce qui dépasse. Ouais, t'inquiète, je vais le faire. Hop. Yeah. Hop, quelques torches, ça fait pas de mal. C'était synchro dans le mouvement. J'avoue. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Le marteau de bois, l'arc. Je sais pas ce que je dans quoi je vais me spé cette fois-ci. Moi je pense que je vais faire la wooden sword déjà parce que je déteste la copper sword. Enfin, je sais que je me répète et tout mais c'est horrible comme je la déteste. C'est quand même impressionnant de se dire qu'une épée en bois est plus puissante qu'une épée en cuivre. Bon. Ouais aussi. Et tac, putain. Et comme on a un four, on peut déjà commencer à... Ah on a déjà un four. Oui, je viens de le faire. Ah c'est pour ça que j'ai pu me faire une barre de cuivre. Je me disais aussi, c'est bizarre. De cuivre qui feront pas de mal. Hop. C'est bon, t'as fait le dernier mur qui nous manque. Nickel. Ah, t'as pas fait la chaîne. Comme ça. Ah si. Donc... Si, je l'ai fait. Oui, parce que en fait. Comme ça, le PNJ il viendra pas nous faire chier. Pour expliquer, le PNJ va aller habiter dans cette chambre là, donc ça va être bien pratique.
Comme ça, il évitera de se balader, il évitera de mourir. Comme ça. Par la suite, je pense qu'on agrandira quand même. Bah, pour avoir les autres PNJ, c'est un peu mieux. Oui, non, mais oui, mais pas que, mais pour nous, notre confort, tu vois. Ah bah oui. Vu qu'il va y avoir plein d'items qu'on va devoir craft et tout. De toute façon, il faut qu'on se fasse une collection de statues. Ah ouais, absolument. Donc, il va falloir une salle de collection de statues. Une salle de collection des armures. En sachant qu'il y en a, je sais pas combien. Alors, allons. Il va bientôt faire nuit par contre, ça c'est pas cool. On va commencer à miner, je crois. Il y a des grands arbres ici, c'est cool. Il y a du fer aussi. Ah ouais, il y a du fer. Incoming. Cette espèce de ninja loot, quoi. Ah, j'aurais pas eu le temps de finir. Non, je regarde un peu par... Ah non, on va éviter de tomber. Parce qu'il y a une... Ouf. Bah oui, il y a un peu un trou qui est assez grand. Cette espèce de faille là. Je me pose la question, si on coupe un arbre à deux, est-ce qu'il tombera plus vite? Bah bien, on va essayer. Je suis à là, un... Nope. Ouais, non, c'est... Ça doit être comme dans Minecraft, ça doit être le premier qui a commencé à taper qui... Allez, allez, allez. On profite un peu du fait qu'il passe encore jour pour faciliter le... Enfin, pour récupérer du bois. Je me rappelais que j'avais fait un truc il y a quelques temps qui s'appelle baisser le niveau de mon micro. Voilà, là logiquement on te va m'entendre beaucoup mieux. Ouais. Moi en tout cas je t'entends mieux. J'avais viré l'amplificateur à cause du vent. Ah non. Il y a un morceau qui voulait pas me ramasser, j'ai pas compris pourquoi. Moi je te conseillerais de te barrer avant que ça commence à être la zombie apocalypse. Oh Zef, au début tu sais. Déjà que c'est la slime apocalypse le machin. Par contre, je comprends pas pourquoi il vient pas vivre là. Ah bah si, pourtant il vit déjà. Okay. Ah, il vit dedans. Ah d'accord, il est coincé. Ok. Ce débile. Quand t'as creusé pour avoir de la pierre, il est tombé dedans. C'est ce que je dis, ce débile. Il est fort le PNJ, il est fort. Il est surtout débile. Idée fixe. Hop. Je remets la porte. Toc. Ah, une Starmade. Oui. Mais attends, j'ai entendu plein de bruit, c'est bizarre. Elle atterrit juste à côté de moi, quoi. Espèce de chanceux. On a de la chance ou on en a pas. Attends, je me ramène avec mon main. Ça va t'apprendre le respect. Ouais, non. Bah, si tu veux, moi aussi je m'emmène avec mon main. Hein. Oui, mais non, je t'apprendrai le respect quand même. C'est vrai. Je vais aller. De voir pour récupérer l'étoile. Ah, elle est juste au-dessus. Oh putain, non, je peux pas récupérer. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que c'est long? Oui, très. Chompe. Alors, la table, je la repose. Oh super, il y a du... Je le repose. Il y a du cuivre là. Holy shit! Je viens de tomber sur du cuivre et du fer. Alors que je suis encore... encore dehors. Par contre là, il y a un zombie, ça me plaît pas du tout. Oui, moi j'ai un zombie, un slime et un œil. Ouais, il y a deux zombies qui arrivent sur moi. Ok, je suis dans la merde.
Ok, il y a 3 zombies qui arrivent sur moi. Tu vas mourir. Oh putain, oui, c'est... effectivement, je tombe si vite ma vie. Ah putain de merde, j'ai 29 points de vie. Plus que 16 points de vie. Ok, je vais me bouffer un champ. Merde, si j'ai un champignon. Hop. Voilà. Moi, je suis en train de préparer la baraque. Hein. C'est super. Oh non, il y a un œil qui arrive. Il y a un œil qui arrive, c'est horrible. Ah bah, je t'avais prévenu. Hein. Et merde, encore des zombies. Je récupère ça et je cours. J'avais prévenu qu'il fallait se barrer le plus vite possible. Putain, j'ai plus 6 points de vie. T'es mort. Non, j'arrive à les tuer, mais c'est chaud. Quoi. Oui, mais tu pourras pas passer la porte de la maison. Mais si, j'attends 30 secondes, comme ça je rebouffe un champignon et c'est bon. Oui, mais tu combattras pas deux œils et un slime qui attend juste devant la porte. Mais c'est pas grave, là je speederai, j'ouvrirai la porte et je me séquestrerai dans la maison. Les soins qui me fera pas. Ah, maintenant il y a un zombie en plus devant la porte. Fuck. Tac tac tac. Et on pourrait se demander pourquoi je vais pas taper dessus. Tout simplement parce que ça serait pas drôle. On va pas taper sur Grey Fury quand même. C'est méchant. Oh, blague de merde. Ah oui, effectivement. Ah oui. Ah d'accord. Ah oui. Ok, je crois que. Ça serait cool quand même qu'on puisse récupérer quelques lentilles là. Tu comptes vraiment faire le Cthulhu tout de suite? Ah ok, non mais au moins faire des lunettes. Des lunettes? Oui, parce qu'avec deux lentilles tu peux faire une lunette. Mais ça sert à quoi? Et putain, t'as enlevé la porte mec. Ça sert à avoir une de défense, c'est un accessoire. Bah, surtout porte, un accessoire hein. De style, mais bon. Bah ouais, dès qu'on les aura butés. J'en mets la porte. Deux zombies là. Oui, mais c'est la fête la nuit. Et putain, pas de lentilles d'ailleurs. Alors, j'étais là pour me faire. Dès qu'on a trouvé. Comment? Dès qu'on a trouvé des. Oh tiens, je peux me faire une iron bar. Dès qu'on. Je répète. Dès qu'on a trouvé un coffre, on le prend. Faut qu'on en ait un parce que sinon ça va être horrible. Bah on peut en faire déjà des coffres. Non, il faut une enclume. Nope. Ah non, c'est bon, on peut en faire. Ouais mais non, faut mieux qu'on économise notre fer pour autre chose. Ça, je l'enlève. Ma tombe, je l'enlève, je la supprime. Oui, je l'enlève parce que ça faisait moche en fait. Oui, c'est sûr, c'est pas très beau. Tac. Ah oui, il y a aussi un objectif, c'est de se faire une maison en or. Ça serait bien. Je sais pas où tu vas aller pondre tes objectifs. Non, je déconne. C'est comme ça. Remarque, c'est faisable. Hein. On tombe sur des îles flottantes. Et on récupère tout l'or. Et on se fait une maison. Déjà finir le jeu plus le mode hardcore, ça serait déjà pas mal. Oui. Oh putain, il y en avait deux. Ah, c'est traître. Regarde, on fait traître aussi. Attends. Ouais, non, pas trop parce que moi il y a les crêtes qui dépassent. Et là, on va pouvoir commencer à éliminer. La, j'aime tuer du zombie. La, j'aime tuer du zombie. Putain, merde, il est rentré dans la maison. Moi je fais cassos. Alors, on va créer des plateformes. C'est ce que je suis en train de faire. Je viens d'en faire plein. T'es pas obligé de monter pour en faire. Hein. Ah, il y a du copper juste à côté. Je vais le récupérer.
commence le puits. Il n'y a pas de bonne partie de Terraria sans puits. T'as vu du copain à cette distance, toi? Hein? T'as vu du copain aussi loin? Ouais, ouais, il était là en fait. Je l'ai récupéré, mais du coup, je continue à creuser. Ah bah, regarde, direct. Hop, je mets une petite torche pour pas que ça spawn. Un tunnel avec des chars en plus. Ah. Oh, le jour va bientôt se lever. Tu veux prendre un ricoré? Putain, comment t'as reconnu? J'allais continuer de la chanter, mais bon. Je me rappelle plus des paroles de la chanson, donc j'ai évité. Je crois que c'est après c'est l'heure du petit déjeuner, un truc comme ça. Pour bien se réveiller. Attends, je vais regarder sur YouTube parce que là ça me stresse. J'ai besoin de savoir c'est quoi les paroles. Dès que j'aurai buté ces putains de neuil. Les yeux démoniaques du démon. Ah. Pas trop près, gros. Yeah. Crève. Bon joueur. Clairement bon joueur. Bien sûr t'as laissé la porte ouverte. C'est pas ma faute, oh. Il m'a tué. Tu peux rien. Non mais je te jure, quel mauvais. Donc alors. Ricoré, voyons voir. Oui, 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 car monsieur, je vais le faire. Ce mec, je vais le faire. En plein milieu d'une vidéo, il va chercher sur. Il va faire des recherches sur YouTube, normal. Si la vidéo est effacée parce que YouTube a reconnu une chanson, je te frappe. Mais non. Pas pour de la pub ricorée. Oh, on sait jamais ce qu'ils peuvent faire ceux-là. À l'époque où je faisais des vidéos encore, je sais qu'il m'avait supprimé la vidéo parce que j'avais mis Daft Punk Around the World dans mon intro. Oui, mais en même temps. Ouais, c'est vrai. Ensuite, ils ont remis les vidéos, il me semble. Ils ont juste suspendu un pas très longtemps. Ouais, des fois, soit ils t'interdisent tout simplement de faire de la pub avec, soit ils t'enlèvent la vidéo, ils te la remettent, et des fois ils te la remettent derrière. Mm. C'est complètement débile, quoi. Le minage c'est génial. C'est comme le cheval. Le minage c'est génial. Voilà, ça s'appelle du minage optimisé. Je faisais du minage. Holy shit. Trop bien. Non, putain. Là j'ai eu une popo. Yeah. Oh merde, non, c'est vrai. Putain. Il faut vite qu'on tombe sur des bâtons lumineux. Franchement, moi, quand je mine dans le... Oh, un hôtel démoniaque, super. Un altar. Oui, parce que monsieur, enfin, joue, altar, enfin, monsieur joue en français. Non, je me suis mis en anglais. Ah. Mais c'est pas ma faute si je parle français, merde. Excuse-moi. T'as pas le droit de parler français, c'est interdit. C'est interdit par la loi? Interdit par les lois du gaming. Putain, merde. Bon, t'avais pas prévenu? Non. C'est ce que disent tous les coupables. Putain, on aurait pu me le dire quand même, merde, j'ai pas prévenu moi. Je fais quoi moi? Et téléchargement illégal, on a le droit. Bah oui. Remarque, si c'est illégal, on n'a pas le droit normalement. Lol. Ouais, mais bon. Le
téléchargement illégal est illégal juste si on se fait choper. Oup, y'a de la flotte là. Je serai à l'altar avant toi. T'es sûr? Bah je suis à l'altar. Oui mais t'as dit qu'il serait avant moi, mais t'as dit que... Enfin, et là j'y suis hein, je suis désolé. Oui. Toi t'y es pas. Moi voilà. Aussi je suis là. Voilà. Non non, t'es en dessous, si. T'es pas dessus, t'es pas à l'altar. Je suis à l'altar. Non moi je suis à l'altar. Voilà. Je suis à l'altar, cherche pas, rache pas. J'ai planté ma torche, moi qui étais en premier. Fuck you. Je regarde le temps. On va récupérer l'étoile d'araignée parce que c'est important. Le temps n'est pas mauvais là non plus. Non. Non mais je te demande, enfin. On est à 25 minutes déjà. Ah déjà ? Holy shit. Ah bah le temps passe vite, comment on s'amuse hein. J'avoue. C'est quoi ce placage de plateforme à la YOLO quoi ? En mode enfin voilà quoi. Envie de me faire chier. Putain de merde. Il y a une poêle d'araignée que j'arrive pas à récupérer. Donc ce que je vais faire c'est... Yeah. Voilà. Tac tac tac. Je vais me refaire des torches. Et des plateformes. Oh, une autre grotte. Oui, enfin, grotte, voilà. Ouais, t'auras rien. du coup, on continue plus le puits. Si. Bah là, pour l'instant, on visite un peu plus ce que... Oh, j'ai plus de torches. Et comme j'ai plus de bois, bah je peux plus faire de torches. T'es sérieux? Oui, j'ai utilisé tout mon bois pour faire des... Pour faire des murs de bois et des... Et des plateformes. Oh, un slime rouge. Mais, vas-y, je vais me prendre une douche. Je pense qu'ils sont morts. Il était tout seul. Ah bon? J'ai cru en voir deux moi. Moi aussi, mais en fait non, il était tout seul. Yotta. Bad idea. Pourquoi? Parce que c'est haut. Eh eh. Attends, je vais te passer du bois, moi, de toute façon. Voilà. Merci. Hop. Alors, j'ai combien de bois? Tac, tac, tac. Je peux te passer ça, déjà. Merci. Ça me fera des torches. D'ailleurs, ça a tout passé dans des torches. Et tiens, voilà. Merci, merci. Oh. J'ai déjà 3 potions de heal. Ouais, c'est pas juste. Moi j'en ai même pas quoi. Attends, je t'enfile une dès que j'ai buté le slime. Ou dès que t'as buté le slime. Voilà. Tiens. Thanks. Oh. Oh bah je viens de récupérer 20 points de vie dans une jarre. Eh mais attends, ah tout à l'heure ouais en fait c'était de l'argent, j'ai pas calé tout de suite que c'était de l'argent mais... Oui le copper c'est pas du... Non c'est silver argent. Non mais copper, ah, copper c'est cuivre. Ah mais t'as déjà chopé de l'argent? Oui oui, il y avait de l'argent tout à l'heure pour descendre ici. Le vert ouais. C'est tellement relou. J'ai entendu. Esquive! Ah bah non, c'est toi qui l'es. C'est toi qui l'es. Pas besoin d'esquiver. Bitch, please. L'esquive le plus inutile au monde. Oh merde. C'est comme si les États-Unis activaient leur contre-mesure anti-nucléaire
contre la Corée alors que la Corée attaquait la Chine quoi. Pourquoi elle attaquerait la Chine? Je sais pas. Parce que les Coréens ils sont débiles. Enfin ceux du Nord. Tu sais ceux qui ont pas YouTube, qui pourront pas m'écouter. Ceux qui jouent pas à StarCraft. Ceux qui jouent pas à StarCraft. Ceux qui sont pas complètement bourrins. C'est ça qu'il faut dire, tu vois. C'est pas ceux qui ont pas YouTube, c'est il faut dire ceux qui jouent pas à StarCraft, voilà. La référence, voyons, la référence. Ah, tout de suite. C'est très bien. Je suis désolé, mais ouais. Nous on connaît que LOL, tu sais, c'est. Chez Warseed, personne ne connaît autre chose que LOL. Ça se saurait. Mais si, quand même. Je suis désolé, on a quand même une line-up CSGO, on a eu des line-up Smite. On a tenté d'avoir des line-up Dota, on en a pas eu. Quoi d'autre, enfin bref, voilà, on n'est pas non plus porté que sur LOL. Après, le truc, c'est surtout que la plupart des joueurs sont des joueurs LOL, c'est ça aussi. La plupart des streamers aussi, voire même la totalité des streamers sont des joueurs LOL. Oui, non, mais c'est sûr, mais quand tu regardes les streamers qui commencent, ils streament du LOL, hein, pour la plupart. Parce que c'est des noobs. C'est comme les youtubeurs, la plupart qui commencent, ils streament font du Minecraft. Ils font du Minecraft, quoi. Représente. Voilà, c'est. si, représente la famille. Quoi que j'ai commencé avec du Mass Effect, moi. Enfin, je suis désolé, mais ceux qui sont arrivés avant Minecraft. Mais bah, ils streament. Enfin, non, mais. Ceux qui sont arrivés avant Minecraft, ils faisaient des vidéos, mais bon, ils faisaient pas non plus des tas d'us. Ou alors, si, ils en faisaient, mais pas s'ils faisaient vraiment des contenus super. Et ceux qui. Enfin, quand ils ont vu qu'il y avait Minecraft, la plupart, ils ont testé Minecraft et tout, ils ont fait des vidéos dessus. Après, ils ont pas forcément continué dessus, mais. Enfin, bref, voilà. Le débat de la journée avec un gros placement de produit pour voir si dedans. Comment ça se fait que bon, moi je sais que Minecraft j'ai fait des vidéos dessus hein. Ah toi aussi t'as été un pigeon dans ta vie. Ouais. Enfin plutôt un mouton qu'un pigeon mais. Non mais parce que je trouvais ça cool. J'avais eu des idées et tout mais bon en fait je dis pas le contraire, j'en ai fait aussi je te rappelle. Pas forcément réussi à bien les faire tu vois. Et merde. GG. Tant pis. D'ailleurs, après tout ce blabla, on est à 31 minutes. Waouh. Donc on va arrêter le premier épisode là. Mais nous on va continuer. Parce que voilà. En fait, on finit le premier épisode et on attaque le deuxième. Voilà, c'est. De bien. Bah quoi, c'est pas comme ça que tu marchais toi? Let's play good, si, mais. Enfin, sur Minecraft en fait, je faisais pas vraiment de let's play. C'était plus des trucs variés, enfin, je t'expliquerai dans le prochain épisode. Attends, j'ai chopé un truc là vite fait. Ah, une potion de mana. Ah non, une potion de respiration aquatique. Allez! Ouais. Donc, voilà, c'est la fin du premier épisode sur Terraria en compagnie du punk. Du Punker Escape. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnement, Twitter, Facebook, commentaires, like, Warseed, Tricitia.com, blabla, blabla. Au prochain épisode, ciao.